Oh non, comment leur annoncer que c'est un placement de produit? Un nombre à trois chiffres? Je vois déjà tout dans les commentaires. Tu es un vendu, Warkbody. Arrête YouTube. Comment leur annoncer? C'est peut-être la fin. Non, pas du tout en fait, c'est pas du tout un placement de produit. Je vous explique, en fait, cette marque-là, je leur donne des vidéos. Attends, tout d'abord, salut la team, je suis Arzolivier, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des produits de Barvel et Noco, qui sont deux marques complètement différentes. Donc, c'est pas un placement de produit, ni un partenariat. En gros, tout simplement, je leur fais des vidéos et des photos gratuitement, et en échange, ils m'envoient leurs produits. Que je n'ai jamais testé et que je vais tester tout de suite devant vous. Donc je serai sincère avec vous. Donc je suis vraiment pressé, ce matin je suis arrivé, je me doutais absolument de rien, je pensais qu'ils allaient m'envoyer 2-3 barres. J'arrive et je vois tout ça. Donc merci énormément à Damien, je fais une petite pub ici sur son Instagram, allez les suivre, c'est un crossfitter, il est très très chaud. Donc au lieu de vous en parler tout de suite face cam et que ce soit ennuyant et long, je vous fais une petite vidéo avec une petite voix off, c'est parti. Les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce sont des produits français. Barvel, c'est une marque lifestyle, tous les sports plutôt cool, nutrition sans sucre ajouté, sans lactose, goût et qualité en priorité. Noco, plus performance, BCA avec ou sans caféine. Donc ce sont deux marques françaises de très très bonne qualité. Alors je le rappelle encore une fois parce que je préfère avec vous, je vous connais, ce n'est pas un placement de produit, je gagne aucune thune avec cette vidéo là. Donc je pourrais dire si j'aime ou je n'aime pas, vraiment. Je suis pas là pour vous faire vendre ça, mais simplement parce que ça me tenait à cœur de faire ça, leur faire une petite pub, parce qu'ils m'ont envoyé tellement de choses que j'avais envie de tester en vidéo déjà. Je me suis dit, oh tiens, une tonne de vidéos, et en plus de ça, peut-être que toi, ça pourra t'intéresser, et en plus de ça, bah, j'ai envie de les tester, vraiment j'ai envie de les tester, je suis trop excité de les tester, donc, bah écoutez, c'est parti. Donc Noco m'a envoyé 4 packs de canettes de BCA, alors avec ou sans caféine, tous les produits que je mets ici sera dans la description pour aller voir un peu plus en détail. Donc avec ou sans caféine, comme je vous l'ai dit. Donc pourquoi avec ou sans? Parce qu'il y en a qui préfèrent avec la caféine ou sans la caféine. C'est quoi, je vous le rappelle, ce qu'il y a dans le café, un peu dans le coca, ce qui permet d'exciter un peu. Donc je vais pas vous rappeler c'est quoi la BCA, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, allez la voir si ça vous intéresse. Ensuite Barbel m'a envoyé 3 packs de, alors c'est des milkshakes, ça c'est super, des milkshakes. Donc comme vous l'aurez entendu dans la vidéo, il n'y a pas de lactose, sans sucre ajouté. Donc ça c'est super intéressant, on va voir ça après, 24 grammes de protéines, on va tout voir ensemble après, vous inquiétez pas. Donc ensuite Barvel, d'ailleurs je sais même pas si je prononce bien le nom, mais dites-moi dans les commentaires au cas où, mais je pense que je le prononce bien. Il y a bien marqué, hein. Barvel, ouais, Barvel m'a envoyé 6 paquets de barres protéinées, et ça les barres protéinées j'adore énormément, merci d'ailleurs, 6 paquets, ça va me refaire. Pourquoi? Parce que pour le petit déjeuner c'est super, pour avoir son quota de protéines, et en plus après sa séance, c'est rapide, efficace, pas besoin de checker the whey, franchement j'adore. Parce que moi, si vous le savez pas, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram si vous savez toujours pas, je ne prends plus de shaker de whey. Parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent une pression incroyable pour savoir son quota de protéines. Ou même d'autres gens qui disent, ouais non non, il faut absolument ça comme protéines dans ta journée, sinon t'es dans la merde, tu vas perdre du muscle, tu n'en prendras jamais. Alors attention, oui la protéine c'est très important, mais faut pas non plus être dingue de la protéine, à tout calculer sur un papier, tout dépend de vos objectifs. Donc vraiment ça, ne vous inquiétez pas, j'en ferai une vidéo sur ça. Donc je vais sélectionner mes goûts préférés, je vais goûter ça devant vous. On va regarder un peu, on va analyser sur les étiquettes ce qui comporte les ingrédients et tout ça. Et puis bah c'est parti. Ok, donc pour la BCA, je pense que je suis déjà assez excité, ça le voit ou pas? Donc on va éviter la caféine. Non, vous savez quoi, non, on va prendre la caféine, en plus après j'ai la gym à 20h, donc c'est parfait. On va prendre de la BCA. Alors nous avons en premier dans ce pack là, nous avons BCA, donc celui-là c'est sans caféine. Et le goût, c'est goût pomme. Oh, ça doit être énervé. Ensuite, nous avons la BCA, cette fois-ci avec de la caféine. Et là, le goût, c'est goût tropical. Et celle-là, j'avoue, je l'ai vue depuis tout à l'heure et je sais que je vais prendre celle-là. Je sais pas s'il y a de la caféine ou pas, j'espère. Mais elle m'a... Regardez bien ça. Donc, je prends juste une canette. C'est goût Caraïbe. Goût ananas. Ananas, c'est mon fruit préféré. Et en plus, caféine. Donc, je ne vois pas pourquoi je prendrais pas celle-là. Donc, pour la BCA... C'est parti, on va prendre de celle de chez Noco et on va prendre caféine Caraïbe, c'est parti. Ensuite je sélectionne et après je goûterai, ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo, à la fin peut-être que je vais vous faire gagner quelque chose. Donc restez jusqu'à la fin, moi à votre place sérieusement, bah je resterai jusqu'à la fin, vraiment, enfin, si vous voulez. Ensuite dans les milkshakes, oh les milkshakes ça va être fou, nous avons le premier goût strawberry, donc j'imagine chocolat, chocolat. Oh là là, je suis un accro de chocolat, donc là ça va être, la décision va être dure. J'adore ce qui est fruité, mais chocolat c'est mon petit péché mignon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez en goût, vous. Ok, ensuite nous avons, bon celui-là je pense que j'ai même pas besoin d'ouvrir, mais on va quand même vérifier. Et je pense que c'est goût vanille. Et oui, vanille, donc vanille, donc voilà. Vanille, je suis pas trop fan, j'aime bien mais je suis pas trop fan. Mais en milkshake, j'avoue que vanille je kiffe de ouf. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, mon choix était très dur à faire, parce que vraiment, mais je vais prendre goût chocolat. Ouais, je sais, j'ai trop envie.
chocolat. Je suis très très gourmand, vous le savez. Donc voilà, je mets tout ici, ce que je sélectionne, et après on va goûter. Ensuite, en barre protéinée. Mais ça, ça va être tellement dur à choisir, mais vraiment, vous vous rendez même pas compte pour moi. Ok, la première, nous avons goût salé peanut. Donc, ouais, je sais, j'ai un sale doute. Donc, c'est pour ça que l'anglais à l'école, ça sert énormément. Donc, s'il vous plaît, faites pas comme moi à faire des antisèches pour savoir les verbes irréguliers et tout le reste. Apprenez vraiment à l'école anglais. Même si c'est pas à l'école que vous allez apprendre le mieux l'anglais, mais c'est quand même important. Putain, apprenez l'anglais, sérieux. Regardez, moi je suis là à Google Traduction juste pour une saveur. Je le sais, je pense que c'est. Peanut, c'est, vous savez, c'est la cacahuète. Voilà, c'est cacahuète, peanut. Voilà, c'est ça. J'ai même pas encore regardé. J'ai rien écrit encore, je vous mens pas. Et je vais quand même vérifier. Voilà, voilà, mais je sais, peanut, c'est ça, parce que même sur Google Traduction, ils disaient de la merde. C'est beurre de cacahuète. Mais là, c'est pas du beurre de cacahuète, c'est goût cacahuète salée, en gros. Voilà. Donc, bref, nous avons salé beurre de cacahuète. J'aime bien, mais honnêtement, c'est pas ce que je préfère le plus, je pense. Ensuite, nous avons. Ouf. Ça, par contre, je suis un gros fan de malade. Au chocolat blanc. Oh là 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 là. Oh, la décision va être dure, parce qu'il va falloir en surgir. J'ai bégayé, il va falloir en choisir qu'une seule. Ok. Wow. Ensuite nous avons. Wow, non mais sérieux, Damien, qu'est-ce que t'as foutu là? Nous avons cookie crème, vous vous rendez compte ou pas? Non mais sérieux. Là j'ai peur de tout finir en deux jours en vrai. Sérieusement. Ensuite nous avons coconut choco, donc noix de coco. Donc ça j'adore aussi, mais je pense que je serai moins un fanat du chocolat blanc. Ensuite nous avons le hazelnut et nougat. Donc c'est nougat aux noisettes. Ça, ça a l'air très bon. Je suis pas un fanat de nougat, mais c'est l'occasion parfaite pour goûter du nougat. On va dire diète, parce que le nougat, le vrai nougat, j'ai pas vraiment eu la chance de goûter ça dans ma vie, parce que ça m'a jamais vraiment attiré. Ensuite nous avons le caramel, donc c'est noix de cajou au caramel. Ça, ça a l'air dingue aussi, parce que le caramel, je suis fou aussi. Bon, ouais, je vais faire mon choix tout de suite, ça va être très très dur. Bon, c'est bon, en vrai c'est bon, j'ai fait mon choix. Il était pas si dur que ça, mais quand même, parce qu'il y a tellement de goût. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que sur Instagram, je pense que je vais vous dire tous les matins, je vais tester un nouveau goût, et je vais vous dire à chaque fois si c'était mon préféré par rapport aux autres ou pas du tout. Tous les matins, je ferai ma petite sélection, mon petit concours, et comme ça, vous saurez quel est mon préféré à la fin. Donc ça peut être intéressant pour vous, si jamais vous voulez en acheter et vous savez pas quel goût de prendre. Voilà, après on n'a pas tous les mêmes goûts, mais honnêtement, je vous dirai vraiment quel est mon préféré, sincèrement. J'ai fait tout tomber. Donc c'est parti pour ma première sélection. Je pense que je vais faire dans l'ordre. On va goûter la Caraïbe goût ananas caféiné de chez Noco, la BCA. C'est parti. Bon, pour la description, je vais vous faire quelque chose de court, parce que dans la description, sur leur site, il y a tout détaillé. Donc ça sert à rien que je vous mette tout ici. Allez le voir directement par vous-même, ça sera moins long pour vous. Donc voilà, je vais vous dire en tout cas ce qu'il y a le plus important à savoir. Enfin on va dire en termes de caféine, parce que là du coup celle-là c'est avec caféine. Donc en caféine nous sommes sur du teneur élevé en caféine, 55 mg pour 100 ml. C'est cool, vraiment cool. Donc voilà, donc c'est des produits français et donc de la très bonne qualité. Donc bah écoutez, c'est parti, boisson gazeuse. C'est fou furieux, je vous jure. Je sens l'ananas de ouf. Personnellement, les boissons comme ça, à base de caféine, enfin de la BCA, c'est super bon. On s'est jamais dit dans notre vie, la BCA, c'est pas bon. Moi, j'adore quand je prenais mes BCA avant dans ma bouteille. J'adorais tous les goûts et tout. Mais là, vraiment, celle-là, franchement, elle est super bonne. Ananas en plus, c'est une dinguerie. Honnêtement, je kiffe de ouf. Donc, franchement, ce goût-là, je le valide de ouf. Je vous conseille celui-là. Les autres, j'ai pas goûté, mais comme je vous l'ai dit, je goûterai dans mon Instagram. Mais celle-là, en tout cas, c'est une folie, vraiment. J'adore de ouf, putain. Ensuite, nous allons goûter de chez Barbel le Milkshake Chocolate. Donc, pareil pour la composition, allez dans la description, tout ça dans la description pour voir directement le produit en quoi il consiste. Bon, bref, on mélange un peu parce que c'est un milkshake. Hein. J'ai hâte de goûter ça parce que j'avoue que j'ai déjà goûté plein de milkshakes protéinés et j'étais assez déçu parce que c'était trop, trop fort en chocolat. Ou alors, je sais pas, on sentait trop l'aspect protéine et l'aspect diète et du coup, on oubliait l'aspect du milkshake. Qui était super savoureux. Donc j'espère celui-là, il va m'en jouer des tours. Hein. Allez, du coup je l'ouvre. Ok, le petit bouchon. Ah, il sent super bon, je vous jure. Donc comme je l'ai dit dans cette vidéo, je serai vraiment sincère. Vu que c'est pas un placement de produit et c'est pas, on va pas payer pour cette vidéo, ça veut dire que si j'aime pas quelque chose, je peux le dire. Donc il y a aucun souci. Et là vraiment, en sentant l'odeur, je serai sincère avec vous du début à la fin. S'il y a pas quelque chose, s'il y a quelque chose que j'aime pas, je vous le dirai sincèrement. Ça sent le Nesquik, mes petits déjeuners Nesquik pain au lait Nutella. J'adore.
suis désolé, c'est super stressant ce que je fais en fait. De goûter ça devant vous, c'est super stressant. Parce que moi j'ai déjà vu des recettes de cuisine ou fast-food cuisine quand ils goûtaient des trucs. C'est trop bon. Mais c'est juste que bah je veux vraiment vous faire ressentir ça. Et c'est vrai que l'aspect goûter ça peut vous déranger. Mais j'espère pas en tout cas, parce que cette vidéo je l'ai fait vraiment pour vous. Pour plus simplement pour vous aider à trouver des bons compléments et des trucs qui sont super bons quoi. Honnêtement, vraiment, je le valide grave au chocolat. Et j'ai hâte de goûter à la vanille et aux fruits là. Laisse tomber, mais honnêtement déjà au chocolat il est super bon. 24 grammes de protéines dans cette portion. C'est incroyable, c'est trop bon. Honnêtement, un shaker, c'est, on va pas se mentir, un shaker de whey c'est pas bon. On va pas tenter même les meilleures protéines. Je vais pas vous en citer, il y en a plein. Mais c'est pas agréable à boire. C'est graniteux, c'est... Voilà, c'est un peu lassant. Là honnêtement je me bois pas en fait. Quand je bois ça, je me dis pas que je suis en train de boire ça parce que c'est protéiné et bon pour la santé. Honnêtement, c'est super bon, ça me fait retourner en enfance. Je me rappelle quand je rentrais de l'école, ma mère elle me préparait un petit lolo avec du Nesquik et je regardais Tom et Jerry. C'est exactement la même chose là, je kiffe de ouf, vraiment. En plus de ça, j'ai vraiment l'impression d'être dans un bar en train de boire un vrai milkshake. Honnêtement, bon, un vrai milkshake c'est différent parce que c'est préparé différemment avec des glaçons, beaucoup plus de sucre. Mais là, il n'y a pas de sucre et j'ai vraiment l'impression de sortir du sucre. Donc sans sucre ajouté et il n'y a pas de lactose. Franchement, je sais pas comment ils ont réussi à faire un truc aussi bon, mais j'adore. C'est génial. Et pour finir, mesdames, faites un triomphe, un applaudissement incroyable pour la barre au chocolat blanc. J'ai tellement hâte de la goûter. Mais j'ai aussi peur parce que j'espère que je vais l'apprécier. Mais je pense honnêtement que ça va être une dinguerie. J'espère vraiment. Là, vraiment, vous mettez la barre haute là, les gars. Parce que si je l'aime celle-là. Allez, c'est parti. J'ai même pas fini ma phrase tellement que je suis pressé de la goûter. Bon, on va faire comme les petits, vous savez, les gens qui présentent des produits de ça. On va faire vraiment tout. L'aspect, honnêtement, il est juste. Il a l'air tellement bon. Il y a des petits morceaux de chocolat blanc dessus. Vous voyez les petits morceaux de chocolat blanc dessus? Ça a l'air tellement bon. Avouez, je vous donne tellement envie. C'est ouf ou pas? Ça a l'air incroyable. Allez, c'est parti, je goûte. Excuse-moi, j'étais choqué parce qu'à l'intérieur, j'avais pas vu. Il y a du chocolat noir. Regardez-moi ça. Il y a du chocolat noir. Et dedans, à l'intérieur, regardez, je vais vous montrer en face cam. Il y a des petits morceaux de chocolat noir, mais à l'intérieur du chocolat. Donc, et en plus de ça, le point le plus important, carrément, quand je dis important, j'appuie sur la barre tellement que ça me choque, c'est que, est-ce que vous avez déjà goûté une barre protéinée? Et quand vous l'avez en bouche, quand vous mâchez, c'est juste incroyable. Mais vous avez l'impression de jamais finir, jamais en finir avec cette putain de barre. Vous la mâchez et ça s'arrête jamais. Alors que là, quand vous la mâchez, vous avez l'impression de manger un Snickers, un Mars, vraiment. Bon, c'est pas pareil, il n'y a pas de sucre dedans. Bien sûr, comme tout à l'heure, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de lactose. Mais juste, j'adore. Et je répéterai tout le temps, j'adore. Je viens de voir le nombre de protéines qu'il y a dans cette barre. Sur cette barre, j'ai dit, c'est juste incroyable. Pour cette barre de 20 grammes, il y a 36 grammes de protéines. Donc plus que dans un shaker de whey. C'est juste incroyable. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie énormément d'être resté jusqu'à la fin. Ça me fait énormément plaisir. Bon, à vrai dire, il n'y a rien à gagner. C'était juste pour vous rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ah, je rigole, c'est bon, allez, arrêtez. Je vois déjà dans les commentaires. Putain, t'as fait ça juste pour le référencement de ta vidéo. Pas du tout. Je vous explique. Je vais vous faire gagner un peu de tout. Je vous ferai un petit colis. Alors, normalement, tout ça, c'était juste pour moi. Il n'y avait rien à gagner. On va pas envoyer ça pour faire gagner. Mais juste que ça me tient à cœur. Et que voilà, parce que vous, tout ce que vous avez à faire, mettez dans les commentaires. Hey, ça a l'air super bon. J'aimerais trop en avoir. Et taguez-moi sur Instagram, partagez cette vidéo-là, screenez juste la vidéo, pas besoin de faire une vidéo. Vous mettez ça en story, vous me taguez dessus avec mon Instagram antox-du-bas1998. Et le gagnant, je sélectionnerai et j'enverrai un petit colis avec plusieurs choses, dont tout ce que j'ai reçu. Voilà, j'espère en tout cas la vidéo vous aura plu. Si jamais vous connaissez des marques ou je ne sais quoi que vous avez envie que je goûte, dites-le moi dans les commentaires, j'essaierai de les contacter. En tout cas, n'oubliez pas, d'ici là, prenez soin de vous. I like I ain't all this. Get in money, nigga.